Regardez autour de vous. Qu'en est-il resté de tous les partis qui se sont annoncés autrefois comme partis éminemment révolutionnaires ? 2 partis seulement sont en présence. Le parti de la coercition et le parti de la liberté. Les anarchistes et contre eux, tous les autres partis, quelle qu'en soit l'étiquette. C'est que, contre tous ces partis, les anarchistes sont seuls à défendre en son entier le principe de la liberté. Tous les autres se targuent de rendre l'humanité heureuse en changeant ou en adoucissant la forme du fouet. S'ils crient « à bas la corde de chanvre du gibet », c'est pour le remplacer par le cordon de soie appliqué sur le dos. Sans fouet, sans coercition d'une sorte ou d'une autre, sans le fouet du salaire et de la faim, sans celui du juge et du gendarme, sans celui de la punition sous une forme ou sous une autre, ils ne peuvent concevoir la société. Seuls, nous osons affirmer que punition, gendarme, juge, faim et salaire n'ont jamais été et ne seront jamais un élément de progrès. Et que, sous un régime qui reconnaît ces instruments de coercition, si progrès il y a, le progrès est acquis contre ces instruments, et non pas par eux. Voilà la lutte que nous engageons. Et quel jeune cœur honnête ne battra-t-il pas à l'idée que lui aussi peut venir prendre part à cette lutte et revendiquer contre toutes les minorités d'oppresseurs la plus belle part de l'homme, celle qui a fait tous les progrès qui nous entourent et qui, malgré cela, pour cela même, fut toujours foulée aux pieds.